Eh bien bonjour à tous, alors on va voir un petit peu l'orge avant qu'elle soit mûre. Enfin, avant qu'elle soit battue plutôt. Parce que ça y est, elle est mûre. Là c'est la variété idyllique, tolérante aux pucerons. Tous les grains sont mûrs, là ça y est. On aura le verdict bientôt. Sinon, niveau programme, c'est pas mal. C'est pas parfait, mais bon, vu l'historique régras ici, on peut pas espérer du 100%. Et vous voyez, elle est pas mal. Ça se voit peut-être pas bien à la vidéo, mais là, c'est plus mûr. On va y aller jeter un coup d'œil. Sans tout casser. Parce qu'il y en a, ils savent pas rentrer dans des champs. Ils piétinent les chintes. Mais bon, ça, c'est pas grave. Vous voyez, moi, ça se voit même pas où je suis passé. On va peut-être aller plus loin parce que là c'est pas représentatif vraiment. Parce que là il n'y a pas de terre. Il n'y a pas de terre et ça, on dirait qu'elle est naine là. Parce que ça m'arrive à peine aux genoux ici. Alors. C'est ça, c'est un précédent en blé. Bon là, on arrive dans les caillasses. Alors là, c'est l'idyllique. Si je me trompe pas. Ouais, c'est l'idyllique. Et un peu plus loin, là, j'ai un mélange en fait. Je sais pas quand c'est mûr, si on va voir la différence. Oh si, quand même. T'as des sacrés calibrages. Parce que c'est un mélange trois variétés là. Là, vous voyez cette bande trois variétés et là juste idyllique. Et c'est pas déconnant. Dedans, de souvenir, il y a la caïman. Il y a de l'idyllique aussi. Et après, je crois que c'est Orion. Un truc comme ça. Et caïman, quand elle était verte, ça se voyait la différence, mais là, elles sont toutes jaunes. On la voit plus. Et après, on va essayer d'aller voir un peu plus loin.
Et là, on arrive dans la même Memento. Le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle est pas tolérante à la JNO des pucerons. Et là, on avait bien surveillé. Elle est au milieu de la parcelle. Globalement, elle n'a pas eu d'attaque de pucerons. J'avais quelques doutes par moment, mais non, elle n'en a pas eu. Vous voyez, elles sont à peu près similaires, hein. Il va y avoir des différences de rendement, mais ça va se jouer au poids de 1000 grains, à mon avis. C'est bon, elles sont belles dans l'ensemble. Ça fera pas des scores parce qu'elles ont eu soif. Et sinon, il y a des belles bananes. Verdict dans la semaine.